Madame, j'ai réservé une table. Bien, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. La table au fond, là-bas. Très bien. Belle ma tirelire. Je me rends compte si j'avais pas de poitrine. T'en es fière, hein? Ça va pas? Si, si. Mais non, t'es tout blanc, tu te sens pas bien. Mais ça va, ça va. Oh, toi, t'as forcé sur la rack. Dès que je te quitte un seul instant, loin des yeux, près de l'alcool. Oh, j'ai juste bu un verre. Je te crois pas. Bon, arrête de boire, d'accord? Je vais rallumer l'ambiance. Non, attends, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Encore un cadeau. C'est magnifique, un solitaire. Mais dis-moi, t'es fou. La semaine dernière, un collier de perles, et cette semaine... Et qu'est-ce qui t'a pris? Eh ben, comme ça, il sera plus seul. Embrasse-moi. Oh. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Non, rien, rien. C'est la chaleur. T'es sûr? Bon, je vais travailler un peu. Tu m'attends, puis après, on part tous les deux? Non. Je vais rentrer. Ma femme m'attend. Écoute pas ta femme. J'ai envie de toi, en plus. Écoute, je t'assure, je me sens pas bien. Demain. Ok, je t'appelle un taxi. Non. Je t'accompagne dehors, alors. Non. Tu sais, je peux quitter un instant la salle, je mets mon châle, on y va. Ça va aller, ça va aller. Bien sûr. Trois jours sans nouvelles de votre mari. Trois jours, oui. C'est long. Très long. Jamais il ne s'est absenté aussi longtemps sans m'avertir. Il avait une activité? Oui. Il est ingénieur chimiste dans un laboratoire pharmaceutique. Personne ne l'a revu. Ce n'est pourtant pas son style de s'absenter de son travail. Ils sont très inquiets aussi. Et vous, d'emblée, enfin, a priori, vous n'avez pas une idée? Un accident? Si Victor avait été accidenté, j'aurais au moins été prévenue. J'ai fait tous les hôpitaux. Rien. Vous avez de ces questions? Oh, excusez-moi. J'ai des débuts de semaine un peu difficiles, mais après, ça s'améliore. Est-ce que vous avez prévenu la police? Non. Sans vous froisser, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je vous ai posé une question, Madame Farnell. Vous avez des problèmes de vie privée? Oui. Depuis longtemps? Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de mal à en parler. Oh, mais vous pouvez. Détective, c'est une espèce de confesseur. Hélène? Elle n'a pas de vie privée, Hélène. Elle est loin de tout ça. Le travail, toujours le travail. C'est la discrétion même, Hélène. Une vraie perle. Il y a eu quelques accrocs dans le passé. 22 ans de mariage.
Vous savez ce que c'est? Pas vraiment, mais j'imagine. Depuis 3 mois, ma vie est un enfer. La nuit, il rentre à des heures impossibles. Au début, il m'assurait que c'était pour son travail. Je l'ai cru un temps, mais... très vite, j'ai su la vérité. Quelle vérité? Un jour, j'ai fait les poches de son veston. Et j'ai trouvé ceci. Au pied de chameau, cuisine libanaise. Une belle plante. Non, je vous en prie. Pardon. Et alors? Je suis allée à ce restaurant. Cette petite gare fait un numéro de danse du ventre. De danse du ventre. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la maîtresse de votre mari? Je les ai suivis. Il passait 3/4 de son temps avec elle. Et en plus, il l'entretient, c'est évident. Vous avez des preuves? La banque ne peut plus suivre. Et il y a 15 jours, il a hypothéqué notre maison. Ma vie est un enfer, je vous dis. Un enfer. Je comprends. Je comprends. Mais ce que je comprends mal, c'est ce que je fais dans cette histoire. Puisque vous avez l'air de tout savoir. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Je vous en supplie, ramenez-le-moi. Mais est-ce qu'il le voudra, hein? J'ai déjà vu le cas. C'est... Faites tout pour convaincre cette petite pute de le laisser tranquille. Je vous fais confiance, monsieur Burma. Combien? 2000 francs par jour, plus les frais, une semaine d'avance. Je paierai le prix qu'il faut. Voilà. Je compte sur votre efficacité et sur votre discrétion. Vous pouvez, madame. C'est bon. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez du nouveau. Évidemment. Pardon. Au revoir. Au revoir, madame. Qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Vu l'oiseau, je suis pas prêt de ramener le marivolage. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Je vous parle, Hélène. Vous croyez que je suis sourde? J'ai tout entendu. Merci pour ma réputation, merci pour le aucune vie privée. Ne prenez pas comme ça. Il tient qu'à vous d'avoir une vie privée. C'est Gina, Rita, Ava. Mais vous, vous les battez toutes ce soir. Vous voulez bien vous asseoir? Oui. Bavarder un peu? Vous êtes en voyage d'affaires? De passage à Paris, peut-être? De passage, c'est le mot. Vous valez le détour, hein? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Si je vous dis vous, vous me direz-tu? Désolée, je suis pas libre de dire tu. Non, c'est pas mon avis. Je m'appelle Nestor Burma, je suis détective privé. Blanche Farnèse m'a engagé. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Et lui? Vous connaissez, lui? Ah oui, c'est... Victor Farnèse. Je suis ravi que la mémoire vous revienne. Écoute, avec le nombre de gens que je peux rencontrer en une soirée... Là, il y avait plusieurs soirées, quand même, parce que... Vous avez l'air de lui dire tu. Non, c'est juste une relation. Eh ben, c'est pour lui que je suis là. Ma femme le cherche depuis 3 jours. Vous n'auriez pas une idée? Écoutez, moi, je veux pas d'ennui. Je suis libanaise et j'ai pas de visa. Une femme comme vous peut pas avoir d'ennui avec un type comme moi, si elle l'aide. Bon, la dernière fois que je l'ai vu, il a eu un petit malaise. Quel genre de malaise? Écoutez, je sais pas, il est plus tout jeune, hein.
Alors, vous l'avez soigné? Chez vous? Absolument pas. Il est jamais venu chez moi. Je vous ai dit que j'étais pas sa maîtresse. J'avais oublié. Bon. Eh bien, merci. Félicitations pour votre cœur au ventre. Il y a des cours pour ce genre de... Pourquoi? Vous voulez vous y mettre? Pas moi. Peut-être ma secrétaire. Fille. Le corps magnifique. Nous avons les plus belles danseuses de Paris, monsieur. Je vois ça. Termine à quelle heure? Vous savez pas? Je suis désolé, on ne sort pas avec le personnel. C'est strictement interdit par l'établissement. Minuit et quart, minuit et demi, par la rue de derrière. Merci. Si vous voulez, Steve. Rien. Cherchez une fille. Et que c'est pas un bordel ici. Je sais, M. Farid. J'ai eu peur, hein. Bon, je dois y aller. Tu fais la fermeture. Vraiment, faire le guignol la nuit au prix où je suis payé, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Bon, première à droite. J'ai comme l'impression que ma petite danseuse du ventre se fout de ma gueule. Quand on est carrossé comme ça, il y a toujours quelqu'un qui paye l'essence. C'est juste une intuition. Eh bien, on va la vérifier, l'intuition. Pourquoi faut-il qu'elles habitent toujours au dernier étage? Pour s'y faire. Finalement, j'aurais dû être serrurier. Mais jolie. Très jolie. Mmh.
vous faites ici? J'ai pensé que la solitude devait vous peser, alors je suis là. Vous allez sortir tout de suite, mais alors tout de suite! Oh, le prenez pas sur ce ton-là. Je fais des heures supplémentaires et en plus, je suis pas payé. Si vous sortez pas, j'appelle la police. La police, sans visa? Vous allez prendre le premier charter pour Beyrouth? Alors je vais hurler, vous entendez? Je vais hurler! Avant de vous fatiguer les cordes vocales, venez vous asseoir là. On va bavarder. Faites comme chez vous. Alors, vous n'êtes pas la maîtresse de Victor Farnèse. Je vous ai déjà dit que non. Ça vous suffit pas? Si vous n'êtes pas sa maîtresse, vous êtes couturière à vos moments perdus. Qu'est-ce que vous racontez, là? Je raconte rien, je constate. Impeccable, les initiales. VF, Victor Farnèse. Joli travail de broderie. Bon, il est venu prendre une fois le thé à la menthe et... Mais il a oublié sa chemise. Et bien connu, on enlève sa chemise pour prendre le thé à la menthe. Je vous jure qu'entre Victor Farnèse et moi, il n'y a rien eu. Je sais. C'était platonique. C'est comme le rasoir dans la salle de bain. On se rase toujours pour prendre le thé. Parce que vous êtes allé dans la salle de bain, mais surtout, faut plus vous gêner, hein? Dans mon métier, rarement. Allez, on arrête de se foutre du monde. Où il est, le Victor Farnèse? Je vous jure que je n'ai aucune nouvelle de lui. Aucune nouvelle? Et ça? Allô, Maya? T'es pas encore là? C'est Victor, je te rappelle très vite, c'est très urgent. Il y va de ma vie. Bon, ok, je vais tout vous expliquer. C'est la première fois qu'il appelle depuis 3 jours. Oui, Victor Farnèse est mon amant. Je voulais pas vous le dire parce que... je voulais protéger sa vie privée. Voilà, c'est tout. C'est tout? C'est un peu léger, non? Je n'avais plus de nouvelles de lui. Bon, elle est sûrement rentrée à cette heure-ci. Alors tu retéléphones à la petite pute et tu lui dis de se pointer avec la cassette. Je suis clair. Non, non. Moins fort. Moins fort, je t'ai dit. C'est fragile, la pharmacie. Ça m'a échappé, patron. Hé hey, Farnèse. Tu téléphones? Autrement, je vais pas pouvoir le retenir longtemps, lui. Si Omaïa vient, vous allez la tuer, je le sais. Mais non. Pas si j'ai la cassette. Alors, tu téléphones? J'attends. Allez. Rappel, laissez-moi votre message. Salut. Allô, Maya. C'est Victor. Réponds-moi, je suis sûr que tu es là. C'est très important. Il faut que je te parle. Oh, Maya, je t'en supplie, décroche. Allô, c'est moi. Je viens d'arriver à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu prennes une cassette vidéo que j'ai cachée dans la cheminée. Apporte-la-moi tout de suite. Hôtel Le Thierry de Castiglione, chambre 16. C'est pourquoi? Ça va pas? Je ne peux rien te dire. Mais si tu ne viens pas, il va nous arriver des choses terribles. Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. Vous savez ce qu'il y a dans la cassette? Non, il m'en a jamais parlé. On va la regarder ensemble. J'ai pas de magnétoscope. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit qu'on irait ensemble. Non, ne vous mêlez pas de ça, c'est pas dans votre contrat. Vous voulez qu'il vous arrive malheur? Vous avez entendu le message? Donnez-moi cette casse. Aïe! On n'est pas bien tous les deux. Allez. Qu'est-ce qu'elle fout, nom de Dieu? Va dire à Farnèse de retéléphoner. Comité d'accueil, vous connaissez? Non. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et les recettes militaires, on a contourné l'ennemi. C'est plus sûr par l'entrée des artistes. Alors, tu vas téléphoner, oui ou merde? Non, non, non. Avec ça, tu vas téléphoner? Non. C'est là. Barnaise. Merde. Victor. Vous approchez pas, c'est pas un spectacle pour une jeune fille. Il est mort. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, Victor. Suicidé? À mon avis, on l'a aidé. Hein. C'est ma faute, j'aurais dû tout faire pour le retrouver. Venez. Vous êtes vite indésirable ici. Alors, il a téléphoné? Il y a un problème, chef. Qu'est-ce que t'as encore fait? Farnèse. Bah quoi, Farnèse? Là, je crois qu'il est enfin. Je crois qu'il est évanoui. T'as encore cogné comme une brute, c'est ça, hein? On est en train de se faire doubler, ramène-toi. Vite! Vite! Ça vient? J'ai relevé le numéro. Mais j'ai déjà vu ce type. Non, mais vous avez vu l'heure? Vous débarquez comme ça? Vous savez que vous êtes ravissante en pyjama? Vraiment ravissante. Écoutez, ça suffit maintenant. Vous pensez qu'à ça? Et en plus, vous avez le culot de m'amener vos conquêtes en pleine nuit? Des fêtes de cochonnerie chez vous? Moins fort. Quoi, moins fort? Elle se gêne, elle, pour faire du bruit à 3h du matin, à prendre son bain chez moi? Hein? Taisez-vous. Et regardez plutôt ça. Top secret, défense nationale. Cinquième procédé. C'est effrayant. Le mot est faible. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Demandez à mademoiselle. Pour une danseuse du ventre, elle a des relations pour le moins inattendues. Bah, je vous jure que je ne savais rien de tout ça. Il vous a jamais parlé de son travail? Bah, il m'a dit qu'il travaillait dans la pharmacie, c'est tout. Dans la pharmacie? Vu la cassette, il ne devait pas fabriquer que de l'aspirine. Parce que vous croyez que c'est lui qui aurait fait ça? Bon, je compte sur vous, Hélène. Vous allez me garder au Maya au chaud. J'ai encore des petites choses à lui dire. Non, me laissez pas seule. J'ai peur. Vous pouvez faire confiance à Hélène. Elle se fera un plaisir de vous loger. Chez elle, l'hospitalité est une seconde nature. Je
t'attends les résultats du labo pour confirmer que c'est un meurtre. Bon, évidemment que c'est un meurtre. Il suffit de regarder ce qu'il y a écrit sur le carrelage. Ouais. Voilà. Bon, allez. Omaya, ça vous dit quelque chose? Non. Tout ce que je sais, c'est que dans le hall, il y avait deux hommes qui couraient après un couple. Vous pouvez les décrire? Non, ils étaient assez typés. Ouais, des bronzés, quoi. Enfin, moi... Quoi? Vous avez pas lu la dernière circulaire de l'intérieur? Pas d'allusion raciste. Oui, si on peut plus. La fille, quel genre? Très jolie, mais très typée aussi. Et le type qui l'accompagnait? Ah bah lui, il était de chez nous. Vous pouvez préciser? Bah, vous savez, il est passé en courant, je sais pas, moi, quelqu'un de sportif, élégant, plutôt bel homme. Burma. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, je peux pas expliquer, c'est l'intuition policière. Merci. Attendez. Burma vient de chez nous, hein. Cette terrible circonstance, madame. Pardonnez-moi toutes ces questions, mais je fais un dur métier. C'est votre métier, monsieur Burma, en fait. Est-ce que votre mari vous parlait de ses activités professionnelles? Non, non, pratiquement jamais. Oh, puis vous savez, moi, la chimie, la pharmacie. Est-ce que vous lui connaissiez des relations susceptibles de lui nuire? Non, nous n'avions que des amis. Vous ne croyez pas à la thèse du suicide? C'est peu probable. Vous pensez que c'est à cause de cette fille que... Non. Ça me paraît plus complexe. D'ailleurs, je vais vous rendre votre chèque. Oh non, non, gardez-le. Oh, mais c'est une question de principe. Mon intervention a été un échec. J'ai confiance en vous, monsieur Burma. Je vous donnerai la somme que vous demanderez et vous allez retrouver l'assassin de mon mari. Vous me le jurez? Farnèse, madame commissaire Farouche de la police judiciaire, mon inspecteur. Voilà, madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Votre mari est... Il est mort. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je le sais, monsieur le commissaire. Comment vous le savez? Vous vous foutez du monde, Burma. Hein, vous vous foutez du monde! Mais j'avais l'air de quoi, moi, hein, devant cette brave femme, la mort dans l'âme, venant lui annoncer le drame? Moi, je croyais que vous seriez heureux que je fasse le gros du travail et vous évitez les sanglots. Burma, votre humour, hein. Bon, pourquoi ne pas avoir prévenu la police quand vous avez découvert le corps? Oui. Pour éviter à votre supérieur de le réveiller en pleine nuit, hein. C'est une question de délicatesse, femme. Burma, il s'agit d'un meurtre. Vous comprenez ça? Un meurtre. Ça dépasse vos compétences de détective à la petite semaine. Qui était cette jeune femme avec qui vous étiez? Une jeune femme? Quelle jeune femme? Faites pas l'andouille, Burma. Une jeune femme très typée. Non, la circulaire de l'intérieur... Mais ça va, je m'en fous. Alors, cette jeune femme... On peut plus avoir de vie privée, alors c'est interdit. Financez pas, Burma, financez pas. Bon, puisque vous insistez, c'était la maîtresse de Victor Farnèse. Sa femme a demandé de lui ramener son mari volage. Une affaire toute simple pour un détective à la petite semaine. Et vous croyez que je vais avaler ça? Mais cette affaire est mon affaire, vous comprenez? Je la prends personnellement en main. Et personne, m'entendez, personne ne viendra me mettre des bâtons dans les roues. Allô, oui? Mes respects, monsieur le directeur de cabinet. Oui, bien sûr, monsieur le directeur de cabinet. Ah, mais j'entends bien, monsieur le directeur de cabinet, oui. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fais parvenir le dossier, monsieur le directeur de cabinet, tout de suite. C'est ça. Au revoir, monsieur le directeur de cabinet. C'était le directeur de cabinet. Voilà. Il vient de m'appeler, là. C'était un gros poisson. Farnèse? Oui. C'est Farnèse. Il travaillait pour la Défense nationale au plus haut niveau. On me retire l'affaire, c'est la DST qui est sur le coup, ça. On va vous poser des tas de petites questions embarrassantes, mais alors là, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Je vous ai rien demandé, hein. Enfin, je suis un peu déçu, quand même. De vous voir abandonner si facilement une affaire aussi personnelle. Burma, dehors. Dehors! Moi, je vais vous la mettre à la porte. À la porte, ça va pas tarder. Calmez-vous, Hélène. C'est l'affaire de quelques jours. Mais quelques jours, moi, j'en peux plus, je suis plus chez moi. Elle passe sa vie dans ma salle de bain. Vous vous y ferez. C'est une question de différence de mode de vie. De culture. De culture. Hein. On voit bien que c'est pas vous qui vivez avec elle. Hein. Ah ben, je dirais pas non. Non, mais je vous en prie, Nestor. C'est
toute façon, j'ai absolument aucune confiance dans cette fille-là. Elle joue les oies blanches, mais apparemment, elle en sait beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà, je suis prête, Hélène. Vous pouvez aller dans la salle de bain. Merci, c'est pas la peine, je me suis lavée dans la vie de la cuisine. Ah, monsieur Burma. Fais-moi un estor, sinon je prends 10 ans. Avec vous, je me sens tellement en sécurité. Hein? Tenez-moi votre main droite. Vous êtes manucure? À mes heures perdues, ça m'arrive. Mais je sais lire aussi dans les lignes de la main. Ah. Alors, qu'est-ce que vous y voyez dans ma main? Anna Sheife Ratar Kitir Kibir. Et en version française, ça veut dire quoi? C'est terrible, je vois votre mort. Ma mort? Ah ben, je m'y attendais tôt ou tard, mais... Je devrais pas être là quand ça arrivera. Vous allez mourir aujourd'hui. C'est pas un peu tôt, ça, non? Je vois votre enterrement. Je vois les titres dans les journaux. Je vois les gerbes de fleurs aussi. Ah. Alors, je veux des lys blancs. J'adore les lys blancs. Je suis sérieuse, Nestor. Ce que je vois est terrible. Rassurez-vous, Maya. Depuis le début de ma carrière, j'ai failli mourir 100 fois déjà. Et je suis toujours là, avec ma délicieuse Hélène. N'est-ce pas, Hélène? Mais pour mon enterrement, je veux des lys blancs. Notez-le. Hein. Non, des œillets. Des œillets, ça porte malheur. Montrez-lui votre main, Hélène. Non, vaut mieux pas, non. Vous la voyez, celle-là? Elle risquerait de partir un petit peu trop vite. On a fouillé partout, chef. Y a rien. Et la petite garce? Pas de traces non plus. Bon. Eh ben, on va faire monter la pression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur Farnès? On faisait l'amour, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Il avait du charme. Du charme. Il avait la soixantaine bien tassée. Hein. Puis, enfin, dans le genre Apollon, on fait mieux, non? Il était très généreux. Je préfère cet argument. Tenez, par exemple, ça, c'est lui. Enfin, entre autres. C'est une belle bête. Je comprends pourquoi il a hypothéqué son appartement. Non, il a fait ça pour moi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le don de débloquer les crédits. Vous l'avez rencontré comment? Au restaurant, tout simplement. Vous saviez qu'il travaillait pour la Défense nationale? Pas du tout. Et trois types, on a entreaperçu à l'hôtel. Vous les connaissiez? Non, aucune idée, je vous assure. C'est terrible. Terrible, l'agence. Quoi, l'agence? On a été visité. Un vrai carnage, hein, ils ont tout foutu en l'air. Il a rien, lui? Lui, il était au fond d'un tiroir cassé. Ah, pauvre Fifi, t'as dû avoir peur. Hein. On va prendre notre retraite, tous les deux. On est dans un coin tranquille, on n'emmerde pas les chats ni les détectives privés. Hein. Il y a eu un coup de fil d'un certain Farid. Il vous propose une grosse somme d'argent contre une cassette vidéo. Vous êtes au courant de la cassette? Il a dit le lieu? Dans un hammam. Le jour et l'heure? C'est marqué, tu sais. Aujourd'hui, 15h. Je vais avec vous? Non, je préfère y aller seul. Toi, tu retournes à l'agence. Il y a de quoi t'occuper là-bas. N'y allez pas. Ça peut être très dangereux. Souvenez-vous des lignes de la main. Les lignes de la main? Non. Vous restez ici, vous ne bougez pas. Je peux compter sur vous? Oui, vous pouvez. Thank you.
Très cher pour cette cassette, monsieur Burma. 500 000. Ça me paraît un prix raisonnable, non? Raisonnable? Ça serait 1 million qui serait raisonnable. 1 million? Pour me dire ça, vous l'avez au moins sur vous, la cassette? Là, avec l'humidité ambiante? Non, elle est au sec, dans ma voiture. Ah, c'est une bonne idée que vous avez eue là, hein, le hammam. C'est... Toutes ces toxines, là, qui se font à la valise, hein. Moi, je me décrasse ici. C'est vrai? Sans que je perde 10 ans. Ouais, bah, si je pouvais perdre 200 grammes. Et dedans, vous avez des nouvelles de Maya? Ah, je vais vous décevoir. Elle a disparu, envolée. Attention, monsieur Burma. Elle est dangereuse. Très dangereuse. Non? Farnèse était fou de Maya. Comment voûter? Travailler avec moi à la Défense Nationale. C'est lui qui a mis au point la formule du gaz cataleptique dans son laboratoire pharmaceutique. Et il parlait. Farnèse venait parlait. De plus Maya se faisait de plus en plus pute avec lui. Là, j'ai bien vu son manège. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'était pas qu'une danseuse. C'est aussi une espionne à la solde d'un consortium de pays arabes. Et elle s'est arrangée pour qu'il lui refile la cassette contenant la formule du gaz cataleptique. Puis, quelques temps plus tard, il a appris, il a tout compris, et il s'est suicidé. Rarement, je n'avais eu le sentiment qu'on se foutait autant de ma gueule. Le tout était de ne pas le montrer. Et surtout de sortir de ce bain de vapeur qui commençait à me transformer les jambes en coton-tige. Et si j'allais vous la chercher, la cassette? Bah, je vous attends. Faites vite. On a dit 1 million. Ouais, on a dit 1 million. Mais il y en a vraiment qui se foutent du monde, hein? J'arrive. L'explosion a été terrifiante. Le cadavre n'est même pas identifiable. Pauvre Burma.
Anéanti, voilà, tu disais. Ah, j'avais bien dit de plus toucher à cette affaire. Vous le connaissiez quand il avait une idée dans la tête. Tout de même, c'était un professionnel. Un très grand professionnel. Mais je retrouverai les coupables, ça je vous le jure, Fabre. Bon, vous savez très bien qu'en Haut-Lieu... Je me fous du Haut-Lieu, là. Je vengerai Burma. Je t'en fais une question personnelle. Quant à vous, vous allez aller chez Hélène et lui annoncer la terrible nouvelle. Mais pourquoi moi? Parce que c'est vous. Ah ben, c'est peut-être pas une raison suffisante, ça. C'est peut-être pas une raison suffisante, mais c'est un ordre, là. Et puis, vous êtes jeune, vous savez parler aux femmes. Monsieur le commissaire, on vous appelle au téléphone. Bon, j'arrive. Je t'avais dit de faire disparaître Burma après avoir retrouvé la cassette. Pas avant, abruti. C'est le système de retardement de la bombe qui a pas fonctionné. Fallait prévoir, triple con. Qu'est-ce que je deviens, moi, maintenant? Je suis bien avancé, hein? Plus de Burma, plus de cassette. Vous pensez bien que je cherchais partout dans la voiture cette cassette introuvable. Oh! Et en plus, il a fallu que tu me descendes Farnèse. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de guignols? Chef, si je peux me permettre, j'ai pas descendu Farnèse. Le problème, c'est qu'il était de constitution fragile. Oh! Et celle-là, elle est fragile? C'est agréable comme cadre, non? Oui, très. Merci. Mais qu'est-ce qui vous a pris de m'inviter ici, Fabre? Ah bah, le plaisir d'être avec vous, tout simplement. Ah. On se voit si rarement. C'est vrai. Et à chaque fois, c'est pour s'engueuler avec ce pauvre Burma. Pourquoi pauvre? Pourquoi pauvre? C'est une façon de parler. Mm. Parce qu'on l'aimait bien, vous savez. Il lui est arrivé quelque chose? Mais non, absolument rien, mais absolument rien. Sinon, pensez... Non. Ah bon? Quelles étaient, enfin, quelles sont les relations que vous entretenez avec lui? Professionnel? Uniquement professionnel? Je saisis mal le sens de votre question. Ah, mais c'est juste pour savoir si vous êtes très attaché à lui. Ah. Oh. Attendez, Fabre, vous êtes en train de me draguer, là? Ah non, ah, pas du tout. Ah, non, non, non. Ah, vous draguez, Hélène. Non, non, non. Non, c'est juste pour tester vos réactions. Mes réactions? Oui, si. S'il lui arrivait quelque chose. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait un choc terrible. Bien sûr. Bien sûr. Mais pas au point de faire une bêtise, tout de même. Enfin, Fabre, je suis une femme solide. Enfin, j'ai mes petites faiblesses, hein, comme tout le monde. Fabre, vous avez vu? Il est mort. Il est mort. Hélène, Hélène, non. Je vais vous expliquer. Hélène, tenez, de l'eau, s'il vous plaît. Hélène, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je suis désolé, j'aurais dû parler. Alors, c'est tôt, ça vient, oui. Alors, Burma, on dort? Ici, vous n'avez pas besoin d'armes, monsieur Burma. Nous sommes là pour vous protéger. Cette nuit, pas trop agité. Mais je l'ai déjà vu, ce type. Ah oui, sur la cassette. Pardonnez-moi ce réveil un peu brutal. Vous auriez sans doute préféré la douceur des bras de Maya. Vous pouvez me dire ce que je fais ici? C'est moi qui pose les questions. Oh, Maya, vous connaissez? Je connais pas, Maya. Évidemment. Et vous n'êtes pas non plus au courant d'une certaine cassette? Je le vois pas. Eh bien, justement, monsieur Burma... Nous sommes là pour vous aider à y voir un peu plus clair. Dites-moi, c'est de la séquestration illégale, ça. Vous voulez téléphoner au ministère de l'Intérieur, monsieur Burma? Aucun problème, je vous compose le numéro. 5 étages. Difficile de se rater. Et en plus, les fenêtres sont condamnées. Seulement, pourquoi un suicide, hein? Alors que vous êtes déjà mort. Comment ça, je suis mort? Nous t'aimions tous, Burma. Oh, bien sûr, nous avons eu parfois, mais rarement, quelques anicroches. Mais c'était la vie. Et qu'est-ce que la vie face à ce terrible mystère?
qu'est la mort. La vérité est que nous admirions tous ton professionnalisme, sans lequel plus d'une affaire en ce bas monde n'aurait été résolue. Allez, va en paix, Burma. Va partager la paix des braves dont tu faisais partie si brillamment. Vous avez été très bien, patron. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette question, on continue l'enquête. Ça peut être dangereux. Ah non, je m'en fous, ça, je veux venger Burma. Si jamais on me descend. Oh non, patron. Si jamais on me descend, je veux que vous fassiez un discours comme celui-là. Parce que je le mérite, celui-là. Tenez, je changerai les noms. Voilà, comme ça, je serai pas déçu. Mort. Ça, c'est fou. Là que je suis mort. Et enterré. Que je dois faire? Le mort. Pour vous, c'est la seule chance de rester vivant. Pour ressusciter, qu'est-ce que vous me conseillez? De me rendre à la cassette. Ensuite, nous vous libérons. Vous irez vous mettre au vert tranquillement sous notre protection. Alors, quelle cassette, elle est où? Quelle cassette? J'ai pas de cassette. D'abord, qui êtes-vous? Colonel Bastien, DST. D'accord, je l'ai. Alors, elle est où? Elle était. Pardon? Elle était dans ma boîte à gants, alors après l'explosion. Monsieur Burma, pas un professionnel comme vous. Vraiment, vous me décevez. Nous savons tout sur vous. Vos contacts avec Farou, Omaya, Farid. Absolument tout, vous dis-je. Alors soyez raisonnable, ne vous faites pas le complice des assassins de Farnèse. Vous avez l'air de bien les connaître. Qui sont-ils, ces assassins? Des agents des services secrets proche-orientaux. Farid avait reçu l'ordre de mettre à tout prix la main sur cette cassette. Alors il s'est servi de cette petite pute. Ah, Omaya. C'est la même chose. Elle a réussi à ensorceler Farnèse pour tenter d'obtenir la cassette. Honnêtement, avec un physique pareil, c'était facile de le rendre fou, non? Seulement voilà. Ça n'allait pas assez vite aux yeux de Farid. Alors il a employé les grands moyens. Vous avez tout compris. Par contre, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, Burma, c'est votre attitude. Pourquoi avoir tenté de monnayer cette cassette? Jamais essayé de monnayer cette cassette, hein? C'est mal me connaître. Eh bien justement, nous sommes là pour faire connaissance. Pour qui travaillez-vous, Burma? Quelles sont vos relations avec les services secrets proche-orientaux? Aucune relation avec ces services. Burma, cette affaire est extrêmement grave. Cette vidéo contient des formules chimiques qui relèvent du secret défense. Alors? Alors? D'ailleurs, je me demande ce que deviennent vos jeunes cobayes après être passés dans votre gosse de cauchemar. Ne vous inquiétez pas. Nous possédons l'antidote. Il va de soi que nous ne sommes pas les assassins. Nous vivons en démocratie. Admettons que je vous rende la cassette. Je dis bien admettons. Qu'est-ce qui me dit que vous ne me descendrez pas après? Ma parole, monsieur Burma. Seulement ma parole. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup d'autres alternatives. N'oubliez pas que vous êtes déjà mort. Ah oui, c'est vrai. La mort porte conseil. Nom de Dieu, je suis enterré.
Une mort terrible. J'espère qu'il a pas souffert. Mort sur le coup. Je m'en veux. Je me sens tellement coupable de l'avoir entraîné dans cette affaire. Mais non, madame, ça c'est les risques du métier, vous savez. Le drame, c'est qu'il était tellement, tellement professionnel qu'on avait fini par croire qu'il était immortel. Je comprends votre douleur. Vous savez, moi-même, à la mort de mon mari. Et que comptez-vous faire? Fermer l'agence, définitivement, vous savez, sans lui. Je comprends. Bon, ben, je vais vous rendre votre chèque. Oh, non, gardez-le. Ce sera pour les fleurs. Ne lui parlez pas de fleurs. Le lys blanc. Il était fou des lys blancs. Allô? Oui, c'est moi. Un laveur de carreaux? Ah oui. Oui. Oui, je note. Non, mais vous recevrez la somme. Oui. Je vous remercie infiniment. Mais je dirais même mieux, infiniment. Mais, Zavater, où allez-vous? Pour pisser? C'est pas exclu, mais c'est pour me laver, surtout. Vous lavez? Ben oui, et ça fait déjà pas mal de temps que je mijote dans mon jus, alors j'ai toujours été un petit garçon très propre. Venez. Ben. C'est l'encentre, deuxième poteau pour Kevin Maston qui inscrit son second but de la soirée. 3-0 pour Caen, joue depuis 12 minutes en deuxième poteau. C'est là. Et pas 3 heures, hein. À peine un quart d'heure, vous verrez, vous me reconnaîtrez pas. Bientôt fini. Pas mort. Alors ménagez-la, hein, parce qu'en ce moment, elle a une légère tendance à s'évanouir. Allez-y doucement. Hein. Doucement. Bah, tu me connais. Allô? Allô, Hélène? Vous allez rire. C'est Burma. Allô? Allô, Hélène? Hélène? Allô, Hélène? Vous êtes là? Hélène, bah, bon plus. Mais forcément, vous avez été trop brusque. J'ai dit vous allez rire. Allô, Hélène. Hélène, reprenez-vous.
Répondez, c'est moi. C'est moi, Burma. Hélène, vous m'entendez? Oui. C'est moi, vous n'êtes pas contente? J'ai horreur de ce genre de plaisanterie. Mais puisque je vous dis que c'est moi, c'est Burma. Je vous crois pas. Bon. J'ai jamais osé vous le dire, mais ça fait des années que j'ai envie de vous. Là, vous me croyez? Je vous déteste! Vous m'avez reconnu. Vous voulez passer au Maya? Quoi? Depuis combien de temps? À raccrocher? Forcément, après ce que vous venez de lui dire. Au Maya disparu. Cette affaire sans le faisant dé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, patron? On va récupérer la cassette au sex shop. Au sex shop? Et après, on va chez Farou. Chez Farou? Et il va nous foutre à la porte. On pensera par la fenêtre. Ou quoi? Qui c'est? C'est Burma! Burma? Non, mais vous foutez de ma gueule, non? Je suis Avatar, monsieur le commissaire! Je vous assure que c'est bien Burma! C'est moi, Florimond. Burma? Mais je rêve, vous sortez d'où? Du cimetière. Mais rassurez-vous, hein, je sors que la nuit. Chérie, mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'est rien. Tu veux que j'appelle la police? Non, la police, c'est moi. C'est pas la peine de déranger tout le monde. C'est ma femme. C'est ma nouvelle femme. Enfin, c'est ma femme, quoi. Mes hommages, madame. Enchantée. Oui, tu peux aller te recoucher, ma puce. Vite. Mais Burma, quand on est mort. Enfin, quoi? Moi, je veux des explications. Vous les aurez, commissaire. Pour le moment, faut parer au plus pressé. On peut voir ça où? Dans le salon. Entrez. C'est une histoire de fou, ça. Commissaire. Hein? Mais c'est complètement fou. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Tiens, voilà le type qu'il faut qu'on retrouve. On met la main dessus, on remonte toute la filière. Ah non, pas question, hein. Vous en êtes sorti vivant, là, l'affaire est réglée. Oh, comment ça, elle est réglée? Vous oubliez qu'il y a eu deux morts. Dont moi, je vous le signale. On n'a pas d'autres moyens, commissaire. Il faut qu'on fasse équipe. Pour une fois. Bon, mais alors exceptionnellement et avec discrétion, hein, parce que moi je joue ma place, hein. Merci, Florimond. Je vous la confie, hein. On peut dormir ici? Ah voilà. Alors là, je vous demande de la discrétion et tout de suite, vous vous incrustez. Vous oubliez que je suis mort. Alors à cette heure-ci, vous voulez que j'aille? Au cimetière? Il y a une chambre d'amis, là. Je voulais vous dire. Oui. Vous êtes un petit cachotier, vous, hein? Je suis un petit cachotier. Votre femme, félicitations. Purement un mot de plus si vous allez à l'hôtel, hein. Pépus, tu vas préparer la chambre pour nos invités, hein. D'accord. Hélène, ce que je vous demande, c'est de m'aider à enquêter sur Omaya. Mais non, je ne trouve rien de spécial à cette fille. Vous êtes mille fois plus jolie. Bon, d'accord, vous êtes très laide. Vous allez me retrouver au Maya, au restaurant libanais. Mais non, vous risquez rien. Enfin, j'y serai aussi. Enfin, je serai déguisé, parce que moi, je suis mort. Alors, je peux compter sur vous? Merci, ma petite Hélène. Bon, eh bien maintenant, il va falloir trouver un costume pour le mort. Alors, cette cassette, j'attends toujours. J'ai eu un contretemps. Mais ça va s'arranger. Je vous le souhaite, Farid. Si mon gouvernement n'obtient pas rapidement la formule de ce gaz, vous n'existez plus. Vous l'aurez, la cassette. Je vous demande juste un dernier délai. 24 heures, pas une de plus. Patron, il se passe des choses bizarres. Il y a un type qui se fait passer pour un colonel libyen, il parle pas un mot d'arabe. Et en plus, il m'a demandé des renseignements sur Omaya. Une histoire de cul? Ah non, j'ai pas l'impression. À mon avis, c'est peut-être un gros poisson. Qu'est-ce qu'on fait?
Pour le moment, rien. Mais le lâche pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre numéro est éblouissant. Je vous remercie. Je peux connaître votre prénom. Fatia. Alors, vous remplacez une autre danseuse. Oui. Une certaine Maya. Oui. Est-ce que vous connaissez sa nouvelle adresse? Non, pas du tout. Est-ce que cela pourrait vous faire revenir la mémoire? Mais monsieur, je ne veux rien. Je vous ai dit que je ne la connaissais pas. Je suis désolée, mais on m'attend au bar. Merci pour le verre. Ah. Mais pourquoi elle est venue avec ce con? Est-ce que c'est un vrai plaisir? Oui. Allô, Maya? Oui, c'est moi. Il est là. Je suis sûre que c'est lui. Il n'a pas arrêté de me poser des questions sur toi. D'accord. Et tenez-vous prêts. Hélène, vous êtes ravissante. Enfin. Ah, je suis tellement heureux que vous ayez pensé à ce dîner comme ça, tous les deux, en tête à tête. Moi, je vois si peu, femme. C'est vrai? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir osé prendre les devants. Oh, pas du tout, au contraire. Il est en train de me la draguer, là. Au contraire. Ah, vous êtes tellement resplendissante. Oh. Je peux vous poser une question indiscrète? Allez-y, dites toujours. Quels étaient vos rapports avec Burma? Et vous? Moi? Oui. Moi, c'était un ami, un véritable ami. Il venait souvent me demander des conseils pour ses enquêtes. Alors, on ne pouvait rien lui refuser. Il avait un charme fou. C'est vrai, monsieur. C'est tout frais par la maison. Oh, vous savez, avec les années, on ne regarde plus trop son employeur. Il avait beaucoup vieilli. Ah oui. Si. Moi aussi. C'est vrai. Oui, c'est moi. Personne ne sait que je suis là. Ça, c'est bizarre, je comprends pas. C'est où le téléphone? Pardon? C'est moi. Enfin, je vous connais pas. Il faut que je vous parle. Écoutez, je vous en prie. Hélène, c'est moi, Burma. Burma? Je vous l'avais dit, hein, de venir seule. Je vous l'avais dit. Burma! Je vous interdis de dire mon nom comme ça ici. C'est une vraie poudrière. Allez, venez, on va sortir, on va s'expliquer. Levez-vous! J'ai même pas dîné. Levez-vous! Je suis invitée, là. Il y a une magie avec la blonde. Qu'est-ce qu'on fait? On les suit. Laisse-moi maintenant, ça suffit! Qu'est-ce qu'il fout? Il l'enlève? Je vais venir seul, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit de venir seul. Alors qu'est-ce qui vous prend? Vous perdez la tête ou quoi? Pourquoi vous affichez avec ce con? Bon, écoutez, vous avez Oumaya, moi j'ai Fabre, alors maintenant je vois pas du tout où est le problème. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas qu'on mélange le travail et les sentiments. C'est police! Vous qui me dites ça? Les mains en l'air! Arrêtez vos conneries, Fabre, hein, c'est moi. Police, les mains en l'air! Nestor. Burma. Ça vous ennuie tellement que je sois encore dans le métier? Comment ça, Burma? Mais je vous assure, Fabre, c'est Burma. Je ne sais rien. Je t'ai déjà dit d'être galant avec les jeunes filles. Alors, j'attends. Je vous jure que je ne sais rien. Tu mens. Je t'ai vu parler avec Burma. Il t'a proposé de l'argent. Il voulait coucher avec moi. J'ai refusé. Je crois pas un mot de ce que tu dis. C'est la vérité. Écoute-moi bien, Fatia. Je suis sûr que tu connais la nouvelle adresse de Maya. Alors tu vas me la donner. J'ai toute la nuit. Je vous jure qu'elle m'a rien dit.
sais pas. Foutez ici. Vous avez dit de pas bouger de chez Hélène. J'ai préféré partir. J'ai bien fait, je vous ai peut-être sauvé la vie. Sauvé la vie ? Qui est-ce qui m'a cogné comme ça ? Des amis. Des amis qu'on a main lourde. Mais où je suis, là, nom de Dieu ? J'ai des amis, je vous dis. Des amis ? Si c'était pas des amis, vous croyez qu'ils vous auraient laissé votre arme? Vous voulez un thé à la menthe? Y a rien de tel qu'un thé à la menthe pour se décontracter. Mais je m'en fous de votre thé à la menthe, moi. Ce que je veux, c'est des explications. Allez, judiciaire, personne ne sort! Les mains sur la table, tout le monde! Sur la table, les mains! Le patron, où est le patron? Je veux voir le patron. Patron, les flics, merde. Dites-le que vous avez travaillé pour Farid. Oui. Ah ben voilà, vous m'avouez ça innocemment. La vérité, c'est que vous vous êtes foutu de ma gueule sur toute la ligne. Hein. Vous avez bien gardé de me parler de ce Farid. Farnèse. Farnèse, c'est différent. J'avais de la tendresse pour lui. De la tendresse au point de le faire tuer? Je l'aimais bien. Vous aimiez surtout son carnet de chèques. Faut me croire, Burma. J'étais devenue l'esclave de Farid. Au début, j'ai essayé de lui résister. Mais quand il m'a menacée de m'envoyer dans un bordel à Tanger, alors j'ai obéi. Il m'a demandé de séduire Farnèse, je l'ai fait. Il m'a demandé de le ruiner, je l'ai fait. Aveuglément, sans poser de questions. De toute façon, il m'aurait pas répondu. Mais le jour où Farid a fait enlever Farnèse, le jour où il est mort, alors j'ai compris que j'avais affaire à des salauds. Et sans vous, je serais peut-être morte aujourd'hui. Arrêtez votre numéro de séduction, hein. Moi, l'instinct de conservation l'emporte sur la libido. Je vous dégoûte. Je suis sincère, Nestor. Il faut me croire, je vous ai dit toute la vérité. Tout, absolument tout. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Allez, venez par ici. J'ai dit que j'allais les avoir, mes papiers. Ouais, je sais. Bon, j'ai vérifié, elle n'a pas de papier. On embarque. Attendez, monsieur, je suis en cours de régularisation. J'ai dit on embarque. Alors, Hélène? Non, je l'ai raccompagnée, tout va bien. Ah. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Est-ce qu'il est tard? Ah, bah, ça, je me coucherai pas avant d'avoir trouvé les ravisseurs de Burma. Ça, je vous fiche mon billet, que je les trouverai. Bon, je pense qu'en ce moment, il doit être entre la vie et la mort. Il y a des femmes, on croit qu'on est au club Méditerranée. Il y en a d'autres. C'est les contes des mille et une nuits. Et moi, je suis dans quelle catégorie? Devine. Tu t'en vas déjà? On va plus se revoir, alors. Il reste 1000 nuits dans le forfait. Je pars demain pour le Liban. Tu sais, Paris est devenu trop dangereux pour moi. Et puis, si Farid me retrouve, il me tue. Celui-là, je le retrouverai, hein. Et je le ferai coffrer. C'est drôle, on commençait à peine à s'aimer et puis on doit déjà se quitter. T'as quelqu'un dans ta vie? J'ai mon chat. Toi au moins, tu t'attacheras pas. Donne-moi ta main une dernière fois. Pourquoi? T'es vraiment sûr qu'on se reverra pas? Inch'Allah. Les derniers clients, les papiers sont en règle. Faut que je retrouve les ravisseurs de Burma, faut que je les retrouve, nom de Dieu! Vous ne trouverez rien, commissaire Farou.
vous n'avez rien à trouver. Le gibier le plus intéressant s'est envolé. Arrêtez cet homme! Je suis au regret de devoir inverser les rôles, commissaire. C'est moi qui ai la charge de vous arrêter. Et au nom de quoi? Je vous le demande! Au nom de quoi? Je me présente. Colonel Bastien, de la DST. Si vous aimez la lecture, vous allez voir, c'est instructif. J'ai là deux mandats signés. De la Défense nationale et de l'Intérieur. Insensé. Insensé. Ce qui est insensé, commissaire, c'est d'avoir poursuivi cette enquête malgré les ordres que vous aviez reçus. Les ordres, c'est ce que c'est. Hein. La base aussi a son mot à dire. Vous l'expliquerez en haut lieu. Pour le moment, donnez-moi votre arme. Ça, il n'en est pas question. Oh. Je voulais juste vous déposer mon arme. Votre adjoint a eu la sagesse de s'exécuter. Imitez-le, commissaire. Vous êtes démis de vos fonctions. J'attends toujours. Quelle humiliation, quelle humiliation! Bah réponds, nom de Dieu! J'ai rien à te dire, moi. T'es pas bien, là? Ça, c'est un coup de Farid. Je vais lui faire la peau, moi. Ça, je te jure que je vais lui faire la peau. Allô, oui. Le commissaire Farrow, oui. Qu'est-ce que vous lui voulez au commissaire Farrow? Il n'existe plus, le commissaire Farrow. Faut pas rester comme ça, patron. Faut vous ressaisir. Me ressaisir? Je suis cassé, brisé. Renvoyé comme une femme de ménage. Oh non, non. Là, vous exagérez. Non, j'exagère pas. Un serviteur de l'État, qu'est-ce que c'est? C'est un domestique à qui on botte le cul en lui montrant la porte. Votre plante verte, vous l'emportez? Je veux dire, franchement, je m'en fous. Oh non, non, vous l'aimiez tant. Vous arrêtiez pas de l'arroser. Vous l'arroserez vous-même, puisque vous restez là. Et c'est normal. Vous avez fait qu'obéir aux ordres. Oh non, vous savez, hein, la vie sans vous. Ah non. Ah non, ne dites pas ça, enfin, voilà. J'avais une carrière à faire. Et quand vous aurez gagné le galon, vous ferez botter le cul et vous penserez à moi. Et ça vous remontera le moral. La photo de votre femme. Ah bah oui, si, si, je la garde. Qu'est-ce que je dis? Oui, si, je la garde. C'est tout ce qui me reste. Et encore, elle adorait le prestige de la fonction. D'ici, est-ce qu'elle me fout dehors, elle aussi, hein? Ah non, mais non, 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 là, vous voyez tout en noir. Non. Femme. Oui, patron. Je vais garder la plante verte. Ça me fera un peu de jardinage pour ma retraite. Non, mais vous verrez, c'est une compagnie. Oh, j'en suis sûr. Il paraît que vous insistez pour me voir. Vous m'envoyez extrêmement flatté. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Assurez-vous, elle dort. Une petite cure de sommeil afin de lui ôter toute velléité de s'enfuir. En attendant la cassette, bien sûr. Car il ne tient qu'à vous qu'elle se réveille. Je l'ai plus, cette cassette. Je l'ai détruite avec ma voiture. Je ne crois pas, Burma. Vous pensez bien qu'on a fouillé votre voiture avant qu'elle n'explose. Détache-le. Approchez-vous, Burma. Vous voyez ce cathéter? Il suffit de tripler la dose de narcotique pour plonger notre belle danseuse dans un sommeil éternel. Ce serait tellement dommage.
un aussi beau sujet. Vous êtes un assassin. Un mort de Farnèse vous suffit pas. Mais je vous ferai coffrer. Pour meurtre. Pour meurtre. Inutile de vous dire que le jour de ses obsèques, je serai loin. Très loin. Alors, la cassette. Faut que j'aille la chercher. Ah, enfin raisonnable. J'aurai votre peau. Je vous jure que j'aurai votre peau. Oui, oui, oui. Si ça peut satisfaire vos fantasmes. Ah, faites vite et prévenez pas la police. Ça serait tellement stupide pour elle de mourir si jeune. Félicitations. Vous me donnerez l'adresse de votre moniteur de tir. Embarquez-les. Ensuite, vous occuperez de cette jeune fille. Vous la conduirez à l'hôpital. Vous avez bon goût, Burma. Je comprends que vous n'ayez pas pu résister à une créature aussi délicieuse. Vous aimez l'exotisme, n'est-ce pas? Je ne vous permets pas. Vous savez, dans l'exercice de mes fonctions, aucun moment... Allons, allons. Vous devriez être flatté. Nous connaissons tous votre pouvoir de séduction. D'ailleurs, c'est bien simple. Nous savons tout de vous. Est-ce que vous semblez tout savoir de moi? Pourquoi m'avoir séquestré? À l'époque, mes services piétinaient dans leur enquête. Alors j'ai cru bon de vous faire arrêter et de vous interroger pour savoir dans quel camp vous étiez. Seulement pour vous faire parler. Vous êtes coriace, Burma. Si vous m'aviez offert un verre, hein, j'aurais parlé. Que tout ce qui s'est passé ne vous empêche pas de me restituer cette cassette. Une telle vidéo, si elle venait à se perdre, ne serait pas à mettre entre toutes les mains. Vous comptez me la rendre quand? Elle est chez le commissaire Farou. Parfait. Au moins, elle est en lieu sûr. Ah, j'oubliais. À propos de Farou, notre brave commissaire va être nommé commissaire divisionnaire. Farou, commissaire divisionnaire? Quel titre? Comprenons-nous bien, Burma. Vous ne savez rien de toute cette histoire. Vous avez oublié les noms, les lieux, tout. Tout sauf une seule chose. C'est le commissaire Farou qui a tué Farid avec son arme de service. Vous plaisantez, là, non? Moi, je vous préviens, je fais la grève de l'humour aujourd'hui. Je plaisante rarement. Tenez, voici son arme que je lui avais confisquée. C'est celle qui a tué Farid. Pourquoi vous voulez tellement que ce soit le commissaire Farou qui a battu Farid? Question de politique. Mes services ont pour mot d'ordre la discrétion. N'oubliez pas que nous ne sommes que des hommes de l'ombre. Évidemment, je comprends que tout ceci puisse vous étonner. Non. Non, je m'étonne plus de rien depuis qu'on m'a enterré. Vous savez. D'ailleurs, je sais même pas si je suis encore vivant. C'est vous qui avez la réponse. Là, pour le moment, je crois que je vais aller prendre un peu de repos et réfléchir à la question. Commissaire Farou, la République et Monsieur le ministre de l'Intérieur, que j'ai l'honneur ici de représenter, ont su apprécier votre courage. Vous qui, au péril de votre vie, avez su mettre hors d'état de nuire un réseau qui menaçait l'équilibre même de notre démocratie. Il est pivoine. Je vous nomme commissaire divisionnaire. Il va nous faire une congestion cérébrale. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Monsieur le Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Bravo. 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 Merci. Félicitations, commissaire. Oh, merci. Ah, il est... Profitons-en. Pardon. Madame, toutes mes félicitations, vous avez là un homme exceptionnel, Sissi. Ah, si j'insiste, et le mot est faible. Je vous en prie. Le commissaire est fatigué. Mais votre supérieur, Favre, a l'étoffe d'un héros. Hein. J'aimerais bien qu'il me raconte son enquête, avec les détails. C'est ça, oui. Avec les détails, oui.
Les détails, ça. Plutôt les détails. Jamais je n'aurais cru Farou si courageux. Moi non plus. D'ailleurs, devant un homme d'une telle envergure, je dois vous paraître bien médiocre. Mais non, Burma, vous avez plein d'autres qualités, vous savez bien. Ah bon? Qu'est-ce que vous diriez de dîner avec moi? Ça vous changera de Fabre. À moins que ça ne vous change de Maya. Elle a disparu. Elle s'est envolée pour le Liban. Non, elle ne s'est pas envolée pour le Liban. Elle a téléphoné tout à l'heure et elle vous fait savoir qu'elle ne part plus. On aurait dû l'inviter à prendre le champagne.